Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la box de Pandore du mois d'avril. Donc voilà, je l'ai reçue et je l'ouvre. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, tout d'abord, des planches de stickers. Donc ça, c'est chouette, ça plaît toujours à Lana. Il y en a pas mal, hein, il y a toutes ces planches-là. Hop, chouette, merci. Ensuite, il y a l'atelier de Pandore. Avec le printemps est là, donc le thème est le printemps, donc avec un do it yourself ici, une recette là. Ah oui, ça c'est marrant ça, c'est les, vous savez les papillons pour mettre une sucette, les parents ils font beaucoup ça ici pour les petits goodies de Saint-Valentin pour les, dans les écoles. Donc voilà, merci pour les idées. Ensuite, vous avez, je vous le rappelle, le code promo Merci Nicila qui vous offre 3€ de réduction sur votre box de Pandore. Et alors attendez, je finis les goodies. Oh, oh punaise. Ah, il faut que je vous dise un truc. Lana a quasiment la même chose à une lampe de poche comme ça. Et elle la lâche pas. Quand il y a ses copains, on va dans la chambre d'amis se mettre dans le noir pour faire ça. Alors autant vous dire que là, avec les motifs de la Reine des Neiges, elle va être folle. Elle va adorer ce goodies. Mais vraiment, c'est un truc de ouf comment elle va adorer ça. Merci beaucoup. Parce qu'elle adore ça les lampes, voilà. Et ensuite nous avons, alors attendez, oh là là il est beau celui-là, attendez, je me disais bien qu'il manquait la gourmandise, mais non, elle est bien là, c'est, oulala, un petit peu écrabouillé, c'est une madeleine Kerkadelac, c'est juste qu'elle est un petit peu écrabouillée quoi. Alors les livres, on va commencer par ça, qui a l'air très curieux, prix exceptionnel, la douceur des contes de fées. Alors, nous connaissons tous la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, mais rares sont ceux qui savent ce qui la rendait aussi exquise, sans parler de la bonté des sucettes du pays des jouets que Pinocchio adorait. Enfin, chaque délicieux secret sera dévoilé, les jeunes apprentis chefs pourront s'amuser à préparer des recettes s'inspirant des plus célèbres et éternels contes pour enfants. Alors, ça a l'air d'être un livre de recettes. Donc ça c'est bien parce que vous savez, je commence à faire un peu des choses en cuisine avec Lana, même si je ne suis pas une, même si j'aime pas ça, normalement je fais des efforts pour Lana pour lui donner le goût de la cuisine que je n'ai malheureusement jamais eu. Donc il est super, c'est super méga beau hein. Et en fait je pense que ça se, alors attendez, comment ça marche, comment ça s'ouvre, ok, ça s'ouvre comme ça, comme ça, donc c'est à spirale, la douceur des contes, biscuit du chat, ah, biscuit du chapelier, oh c'est génial. Sommaire. Ok. Donc là il y a un conte et là il y a une recette illustrée. Voilà. Il est super beau, c'est tout brillant les pages. Je pense que vous le voyez à la caméra. Pomme caramel de la marâtre. Ah, ça c'est la pomme de Blanche-Neige. Vous voyez, c'est super beau. En fait ils ont fait des recettes à partir des contes de fées quoi. Muffins de potiron de la fée marraine. Donc ça c'est Cendrillon. Ah voilà, c'est super beau. Vous voyez, hop, et c'est l'édition c'est WS Kids, vous voyez, hop, super beau, merci beaucoup. Je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos parce que je sais que des fois vous aimez bien les livres que je vous montre, mais du coup c'est trop tard pour commander la box de Pandore avec ces livres, donc je vous mets les liens Amazon si je les trouve dans la barre d'informations. Ensuite, le deuxième livre du mois, c'est Le Petit et les Arbres Poussés. Hop, il était une fois un bûcheron et sa femme qui n'avaient plus de quoi nourrir leurs 7 garçons et se résignaient à les perdre dans la forêt, donc c'est un peu l'histoire du Petit Poussé. La suite pourrait être classique, des enfants égarés, un ogre et ses petites filles, des bottes de 7 lieues. Heureusement, le plus petit de la fratrie va en décider autrement, doté d'une imagination fertile. Poussé va exploser les mille et une raisons que font que non, 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 hors de question d'aller se balader en forêt. D'accord, donc apparemment, lui, il veut pas aller se balader en forêt. Le petit et les arbres poussés. C'est pas le petit poussé, c'est un jeu de mots. C'est pas le petit poussé, c'est le petit et les arbres poussés. Ouh là là, ça a l'air... Les arbres boxeurs. Les arbres sont... Les arbres song. Les arbres sans petit marteau. Manteau, pardon. Voilà, ça a l'air d'être très, très orienté avec les arbres. Les sols pleureurs ne va pas mieux.
Ils te fichent le moral à zéro. Les arbres travailleurs. Au boulot. Ah, les arbres intello. Bon, c'est très, très orienté autour des arbres. Donc voilà. Il a l'air rigolo comme tout, dis donc, ce livre. Les petits bérets. Je connaissais pas du tout cette édition. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a avec Box de Pandore. Les petits bérets. Et le dernier, qui est encore un livre de Alice Jeunesse. Et qui est, comme tous les autres de l'édition, super magnifiquement beau. Comme chaque jour de tempête, j'étais seule dans notre grande maison de pierre. D'habitude, notre vieux chien Harrington veillait sur moi d'habitude parce que ce jour-là, je ne le trouvais pas. Oh punaise, ça a l'air triste. Elle trouve pas son chien. Pourquoi elle trouve pas son chien? Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Non mais regardez-moi les dessins comme ils sont magnifiques. Oh là là. Ah oui, c'est la tempête, hein. Les vaches, elles s'envolent. Plus rien ne va, là. Oh là là, oui, le chien. C'est le chien qui s'est envolé? Je ne le trouvais pas. Je l'appelais, je criais son nom, je sanglotais. Et la petite fille. Bon, j'espère qu'elle le retrouve parce que sinon c'est trop triste. Hein. Oh là, regardez-moi les dessins comme c'est beau. Regardez-moi ça. Magnifique ce livre. Ah, elle a trouvé son chien. Oh, j'ai envie de pleurer. Il était lourd, moi. Il était très lourd pour mes petits bras d'enfant. Oh là là, alors du coup elle a quand même porté. J'ai marché tout doucement et je lui ai parlé en même temps. Oh, elle a sauvé la vie de son chien, on dirait. Oh, regardez. C'est trop beau comme histoire. Oh, magnifique. Moi, dès que ça parle de chien, évidemment. Donc, nous avons ce magnifique livre qui est clairement mon préféré. Hein, voilà, il est trop beau. Juste parce qu'il est trop beau et que l'histoire a l'air très touchante. Le livre de recettes, le livre sur le petit garçon et les arbres. La lampe que Lana va adorer, la madeleine. L'atelier de Pandore et les stickers. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de choses dans la box de Pandore. Donc je les remercie encore une fois pour cette nouvelle box. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut !